Les gens de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agwepa Dikofiolomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Kofi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Tabouleï, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux AO. J'ai le plaisir de vous remettre votre passeport diplomatique en qualité d'ambassadeur culturel de la République démocratique. Et je l'ai fait au nom de la haute hiérarchie. C'est-à-dire que nous avions ici les instructions de la très haute autorité du pays pour vous établir ces documents. En principe, parce que j'ai entendu les gens en parler, il était prévu, ça fait déjà près de presque deux semaines passées, que vous étiez entendu ici pour ces passeports. Suite à vos préoccupations, vos occupations plutôt, vous n'aviez pas eu le temps de venir. Et hier, vous êtes à Lagos. Voilà pourquoi je vous donne ça. Vous pouvez regarder. Ambassadeur de la culture. Ambassadeur culturel. Culturel. Je vous prie de bien vouloir poser la signature dessus pour témoigner. Ici. Non, vous allez. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à la très haute autorité de la hiérarchie. Série Bisabango, rendez-vous à Moko Saint-Valentin le 18 février 2022. Liaison au numéro 1 rue René Maillard 77 127. Venez nombreux, papa. Bimi sa mère, au baron Nagaye. Fifi Sokiabono, Koyokaye. Jonah, yo baby si, dinanga di bella. Ola tse du toko quoi. Sombe la mère à la tabia, zaladia bonga. Yo pe bonga, boya, nous les awa soleil, on a papa.
à ne pas manquer. Donc le 18 février, vendredi 18 février. Et tu as dit ce bon nouveau bimbo, toi, Zangi Bolingua, comment on a été, même un peu de l'eau. Rendez-vous à part Moko, le 18 février, à bien simple. Donc je vous confirme, moi, monsieur Modogo, à part en moi, invité, ça ne va pas vous, soleil Wang. Afin de péter à Kanisi Bandegonaye, à l'obi Luciana de Mingongo, Zalawana, je serai de la partie. César Ngati, Wadoba Lingi Bati Kola Bolingo Lokola, Yantina Lokolo Yablese. Le 18 février, Saint-Valentin avec Soleil Wanga invité Serge Mabiala. Alias, venez nous Saint-Valentin, Saint-Valentin, qu'on vibre ma casse chez Djongade, Ngandantaba, Oye Zali capitale ambiance. Awana Katia Paris, Isika Oyo, Moto Nyonso, Azali Koya pona kose détendre kitoko. Pona Saint-Valentin Oyo, Dweba ke chez Djongade Ngandantaba. Ba chelebino 3 jours yambiance pona ko fete Saint-Valentin. Ça va chauffer! Vendredi 18 février 2022, Boko Zwa Suzuki Luzubu 4x4 Double Office. Oyo ako bini sabino joli kitoko na barumba pe na badanse ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te ozako lia ozako bina ozako sepela Saint Valentin pe samedi 19 février 2022 Bokozwa CNL Alligator et les autres bako sepeli sabino na musique kitoko po awa irataka na ngote pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga Bokozwa Emile Elias de Mingongo la voix qui cloche et le mona wenge musica poussa la tofanda ça va chauffer et causa la somme on a niveau ya deux fois te poche djonga denga dans taba 3 jours ya Saint Valentin et causa la somme adresse Zaka Kasemoko 12e rue puis Dixme 94-310 Orly tope obengi na numéro ya téléphone oyo 063-54-75-181 Ozamo Bimba chez djonga denga dans taba yango Zali capitale et ambiance à Wanakati à Paris. Non, c'est trop fort. Bah, supporter Bagangi. Bana Belgique, bana France, bana Allemagne, bana Hollande, Ngongana bino coquille à délivrance. Tokozalana bino le 26 février et kozalana 15 à côté à Gare du Nord. Tozana bezeboya ebele, mingi mingi nazana bezeba o batambola partout, baluka ba délivrance ba zwate. Boya ko vivre nenge boko bika mokolwana, boko kangwama. Tozo kozela bino na moto! Il voyageait en Galilée, prêcha l'évangile, chassa les démons et guérissait des malades, il ordonna. À un esprit impur de sortir d'un homme, guérissez la belle-mère de Simon Pierre et purifiez un lebré. Wana Moussala ya Jésus-Christ de Nazareth, Oya Salaka, paix et commandement dans ma commune ailleurs, dans Marc 1, 21-45. Nayango, Moussala yango, Jésus-Christ de Nazareth, apesipe, Nabazel Naye, Oyo et Ali Bongo, apôtre Martin Makoma et Longo. Na prophète Moïse Makoma, Oyo Wapi, Jésus-Christ de Nazareth a tindi bango na 2022 Oyo, le 26 février, na Bruxelles, capitale ya Belgique, pomba na yanzambe mazolobiko, surtout que Mutumoko te akoutana na Jésus-Christ de Nazareth a songaka lolenge ayaka. Le 26 février 2026, yo yo kozali na Bruxelles, capitale ya Belgique, kozanga te na journée ya délivrance oyo nzambe akosala bilembo pe bikamusi. Le 26 février à partir de 15h, ne manquez pas. À travers Basel na nzambe, apôtre Martin Makoma et longo na prophète Moïse Makoma, moto kana na nzambe moto oyo milimo nyonso ya Shetani. Loba bonjour. 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 Bah, comment ça va? Le 26 février 2022, Oyo, Kosanga Tena Mbangina délivrance. Oyo et Kosalema, la capitale de la Belgique.
le 26 février, mokomona le boko na nzambe. Le boko na nzambe za mokusete pona ko sunga yo. Misunaye e kangamite pona ko mona souffrance na yo. O souffrir beaucoup. Botamboli partout, tozali koze lava o bakenda partout, ba futa ba tike partout, mais mokolo yango, lo boko na nzambe e ko sunga yo. O kozala na délivrance totale. Alors bopé sande mite manabino mokolo yango, zambe nabino ako sale la yo. Jésus-Christ de Nazareth, aza les seules les solutions. Amen. Tozo koze la bino na moto. Check, c'est du cap la merveille et PIB et dehors. Bon amour, tout soutenir fondation à Vinabiso et ma meilleure fondation du sal ici. Avoir assuré obsèque, avoir assuré habitation en Europe. Pas dire la cause, nous avons assuré même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africain. Et ma meilleure, Kala, yo yeli sous, non, les sal ici assurance. Yo Oyolingi, on s'assure, Yaka, assurance auto Ezali, assurance rapatriement Ezali, mutuelle de santé Ezali, assurance auto Ezali, Namisusu Oyo Koluka, Nyonso Ezali, Nalisalisi assurance. Ndegona a vu traitement, Ndegona yo, Bakundiye na Bolam Nyonso, vraiment te soutenir, c'est une bonne idée. Vous en mona? Quand il y a fondation, les salis, le pas à Emamea, on a la vérité, le côté exacté, banda et banda, fidélité, tout n'a pas de RTL, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emamea a eu le fondation, les salis. Et na bateau, va jouer le bateau pour nous, faut la vie, on a bateau, va jouer sans la paix qui est pour nous. Pourquoi la vie n'est pas Emamea? L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le handicap, la merveille, pour soutenir fondation, les salis, la vie n'a pas de Emamea. Automobile! Le permis français, le permis étranger, nous sommes. Il y a un amour, au revoir, papier en silence. Fondation de Salissi, solution panée, ce qui est panée, t'es wap. Ciao. Légende de la musique congolaise et africaine, l'artiste musicien Antoine Christophe Agbepa Dikofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce géant de la rumba congolaise est détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique, mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadju, Kofi Olomide sera désormais au front dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Tabulaï, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre.
L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine issu aux awards organisés il y a 2 mois au Nigeria. À travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravitent autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. J'ai le plaisir de vous remettre votre passeport diplomatique en qualité d'ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Et je l'ai fait au nom de la haute hiérarchie du pays. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avions ici les instructions de la très haute autorité du pays pour vous établir ces documents. En principe, parce que j'ai entendu les gens en parler, il était prévu, ça fait déjà près de presque deux semaines passées, oui, que vous étiez entendu ici pour ces passeports. Suite à vos préoccupations, vos occupations plutôt, vous n'aviez pas eu le temps de venir. Et hier, vous êtes arrivé. Voilà pourquoi je vous donnais ça. Vous pouvez regarder. Ambassadeur de la culture. Ambassadeur culturel. Culturel. Je vous prie de bien vouloir poser la signature ici pour témoigner ou bien répondre de ces documents. Madame. C'est ici. Ah. Ici? Non, non, vous allez là. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à la très haute autorité de la hiérarchie, au numéro 1 de notre pays, le Père de la Nation, d'avoir pensé à moi. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Je vous remercie aussi parce que c'est vous qui avez donné forme à cette intention. Et je dis d'emblée que le pays n'aura pas regretté l'ambassadeur qu'il a fait de moi, surtout dans mon élément qui est la culture. J'ai le cœur qui bat vite, au nom de mes enfants, au nom de tous mes fans, au nom de tous les Congolais. Je dis merci à la nation congolaise pour cette reconnaissance. Merci infiniment, Excellence. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bonne chance.